Allô, ici Serge PHD, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, vidéo un peu particulière, live un peu particulier. Aujourd'hui, c'est pour parler des raisons pour lesquelles les hommes ont de la difficulté à vouloir se marier. Surtout avec le divorce très médiatisé de Hakim et de sa femme Iba César. Ça emmène pas mal de questions, pas mal de doutes, surtout au niveau des hommes. Et aujourd'hui, on avait bien envie de discuter un peu la situation. Pour un briefing de la situation, qu'est-ce qui se passe? Les deux étaient ensemble depuis 2018, si je ne me trompe pas, jusqu'à maintenant. Ils ont un ou deux enfants ensemble, je crois bien. Elle a 10 ou 12 ans, Iba a 10 ou 12 ans de plus que Ashraf Hakimi. Et maintenant, elle demande le divorce. Elle a demandé le divorce par rapport à des rumeurs sur de la tromperie. Donc, paraît-il qu'il ait eu des rapports avec des mineurs, 16, 17, 18 ans, aucune idée. Mais rien n'a été prouvé, aucun jugement à date. Mais elle a demandé le divorce. Donc, devant le juge a constaté que M. Hakimi a toute sa fortune au nom de sa mère. Donc sa fortune n'est pas à son nom. Sa fortune est directement au nom de sa mère. Son salaire rentre directement dans le compte de sa mère. Il a vraiment le strict nécessaire qui est à lui. Donc, écoute, procédure de divorce. Madame demandait 50% ou plus de ce qu'il avait. Mais malheureusement, il n'a presque rien. Tout est au nom de sa mère, donc il n'a rien. Et de son côté, elle n'aura rien non plus. Donc aujourd'hui, on discute un peu à propos de ça. Si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, vous pouvez taper Ashraf Hakimi et son épouse. Vous allez voir tout plein d'articles par rapport à la situation. Donc, en revenant à nous deux, qu'est-ce que tu penses de la situation? Qu'est-ce que tu penses des raisons du divorce? Qu'est-ce que tu penses du sujet en général, qui est pourquoi les hommes ont de la difficulté à s'engager? Quelle est ton opinion dessus? D'abord, on va commencer tout simple. Pourquoi les hommes, selon toi, ont de la difficulté à s'engager? Pourquoi les hommes ont de la difficulté à s'engager? Je dirais, les hommes ont de la difficulté à s'engager parce qu'ils ont peur de se tromper de compagne, ils ont peur de faire un mauvais choix. Ça pourrait être une raison de pourquoi ils ont peur de s'engager. L'autre choix que je ne suis pas vraiment d'accord, il y a des hommes qui disent... ils ne sont pas encore stables financièrement, ils attendent d'avoir une maison, une voiture, avoir tout à leur nom, mais genre vraiment être stable financièrement, être à leur propre compte pour s'engager, se marier, commencer à fonder une famille. Okay. Ça, c'est les deux principales raisons que je trouve, que je pourrais trouver. Par rapport à la question, ok, oui. Parfait. Et maintenant, hein, par rapport au topic du jour, au sujet du jour, qu'est-ce que tu penses du fait que Ashraf Hakimi, ait mis tout ce qu'il possédait au nom de sa mère? On doit préciser également qu'il ne l'a pas fait au moment du mariage. Il l'a fait bien avant qu'il ne se marie. Tout était déjà au nom de la mère. Et si jamais, par malheur, la mère décédait, il est le bénéficiaire de la fortune. Donc ça, il l'a fait bien avant le mariage. Mais qu'est-ce que tu penses du fait qu'il ait mis tout au nom de sa mère au lieu de mettre au nom du couple? Il a mis toute sa fortune au nom de sa mère bien avant qu'il ne se marie. Autant, j'ai juste envie de dire, autant marier sa mère dans ce cas. Si... c'est ce que je pense, autant marier sa mère. Il a fait bien avant le mariage, mais ça peut se comprendre qu'il l'ait fait bien avant le mariage. Peut-être il n'avait pas encore d'intention de se marier, de fonder une famille, ou bien il n'avait pas encore l'intention de se caser. Ça, je peux comprendre, mais une fois marié, genre, je ne comprends vraiment pas.
Est-ce que ça pourrait pas être peut-être parce qu'il avait peur? D'abord, je vais donner mon opinion par rapport au point. Mon opinion déjà, pourquoi les hommes ont du mal à s'engager, à se marier? C'est difficile pour l'homme parce que au départ, un homme, pour qu'un homme devienne intéressant, il faut qu'il ait accompli quelque chose, il faut qu'il soit devenu quelqu'un. Donc, plus un homme prend de la valeur, plus il a de la popularité au niveau des femmes. Donc, et bien sûr, la valeur de l'homme, ça ne se limite pas tout le temps à la valeur monétaire, mais très important la valeur monétaire. Mais en plus de ça, il y a les critères de beauté, la forme, le muscle, etc. Mais le point le plus important, c'est vraiment le côté monétaire, cash money. Donc, plus un homme est influent, plus un homme a des ressources financières, plus c'est facile pour lui d'avoir une compagne. Mais ça devient autant difficile pour lui d'avoir une relation sérieuse, d'avoir the one, d'avoir une compagne pour la vie. Dans ce cas-là, moi, monsieur lambda, j'ai travaillé, avant de travailler toute ma vie, j'étais un jeune fonctionnaire, etc. dans une compagnie. J'avais très peu de sous et je cherchais les femmes, mais je n'en trouvais pas vraiment parce que j'étais soi-disant pauvre. Avec le salaire moyen, je suis considéré comme pauvre par rapport à la majorité des femmes. Monsieur Lambda se fâche, il va à la gym, il travaille dur, il lance sa compagnie et il devient super successful. Donc il devient assez riche, assez convoité maintenant sur le marché. Là, il a un peu plus de facilité avec les femmes. Donc là, maintenant, il se demande, est-ce que tu m'apprécies pour moi qui je suis ou est-ce que tu m'apprécies pour ce que j'emmène sur la table, donc pour mon père. Et c'est là que plus un homme prend de l'âge, plus il a de la difficulté à trouver qu'il est vraiment connecté à quelqu'un. Parce que c'est jamais très sûr si c'est côté financier ou côté relationnel réellement. Une petite clarification de notre côté. Donc, nous, on s'est mariés quand on n'avait rien du tout. Tout ce qu'on a, on l'a ensemble. Bon, la plupart, en tout cas, de ce qu'on a, on l'a ensemble. Et nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais voilà la principale raison pour laquelle un homme a de la difficulté à vouloir s'engager. Maintenant, de ce côté-là, avec leur divorce et tout, moi je trouve, c'est difficile. Je dirais pas qu'il a bien fait, mais je trouve qu'il a fait ça quand même assez intelligemment. Il a gagné sa fortune avant de l'épouser. Donc, il était déjà riche, successful, il avait déjà tout ce qu'il voulait avant de l'épouser. Donc, ce qu'il a fait, c'est un moyen de protéger son héritage si jamais elle voulait le quitter et prendre la moitié. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, je trouve que il a déjà essayé de protéger son intérêt. C'est vrai, on s'aime et tout, mais tu m'as épousé quand j'avais déjà tout. Donc, qu'est-ce qui me prouve que c'est pour moi ou c'est pour l'argent? Qu'est-ce que tu dirais à ça? Mais il avait mis déjà tous ses biens au nom de sa mère avant qu'il ne se rencontre avant qu'il ne l'épouse. Exact. Tout était au nom de sa mère avant le mariage, avant tout. Moi. Honnêtement, je ne comprends pas trop ce qu'il a fait, mais disons que je vais essayer de comprendre. Mais dans le couple, il y a de ce que j'ai cru voir, ils ont deux enfants. Il y a un ou deux enfants, moi. Ouais, ils ont un ou deux enfants. Mmh. Donc, honnêtement, moi, je ne comprends pas et je ne suis pas du tout d'accord par ce qu'il a fait. Principalement parce qu'ils ont des enfants? Oui, principalement parce qu'ils ont des enfants. De toutes les façons, à un moment ou à un autre, ça va retourner aux enfants, non? Donc, peu importe si c'est lui qui gagne tout, qui garde sa fortune et
elle, elle garde ce qu'elle avait avant le d'être avec lui. Si chacun garde pour lui, de toutes les façons, les enfants vont toujours profiter, non? Mais alors, à ce moment, c'est quoi le but de se mettre ensemble? Parce que quand deux personnes se mettent ensemble, c'est pour créer quelque chose, c'est pour fonder quelque chose, c'est pour se bâtir ensemble. Donc, est-ce qu'il veut se bâtir, il veut bâtir quelque chose avec sa mère, il veut se projeter avec sa mère ou... Non, il veut plus. Parce que déjà, en comprenant son background, de ce que j'ai compris de comment elle a été élevée, comment elle a grandi, ils ont grandi sans beaucoup de moyens. Donc vraiment pas beaucoup à manger. C'est la mère qui prenait soin de tout le monde. Donc c'est quand même moyen de retourner. Écoute, j'ai quand même... Le monsieur, sa fortune s'élève à au minimum 30 millions d'euros. Donc le monsieur, il est à l'aise. Donc, il est capable de prendre soin de toute sa famille, frères et sœurs, cousines, tantes, etc., sans problème. Même si je ne conseille pas toujours de faire ça. Famille nucléaire, c'est déjà assez. Et niveau, donc, il est capable de prendre soin de pas mal de gens et il a laissé la charge à sa mère de lui acheter des maisons, de lui acheter des chaussures, de lui acheter des vêtements. Donc, tout, c'est sa mère qui fait les achats pour lui. Mais c'est toujours son argent parce qu'à la fin de la journée, il est le bénéficiaire final. Si elle était avec lui jusqu'à 2058, disons, et que sa mère n'était plus, elle aurait pu avoir droit à la moitié quand le tout serait retransféré à lui. Mais leur relation a duré 3 ans ou 4. Depuis 2018 jusqu'à maintenant, 19, 20... 21, 22, 23. Approximativement 5 ans. Je ne sais pas s'ils ont divorcé cette année, mais sûrement ils ont des problèmes depuis un bout de temps s'ils divorcent. Donc ça peut faire 4 à 5 ans. Moi, en gros, ce que je retiens de cet acte, c'est que sa maman, il accorde. Ok. Il accorde plus de. De ce que je. De mon point de vue, je vois que. Sa mère, il accorde plus d'importance et que sa mère occupe la première place dans sa vie, dans ses affaires, dans tout ce qu'il fait. C'est sa maman d'abord. Pourtant, il a épousé cette femme, ils ont des enfants ensemble, mais malgré tout, c'est d'abord sa mère. What? Sa mère vient d'abord, sa mère passe avant tout. Mais elle ne manquait de rien dans le couple. Elle ne manquait de rien. Si c'est une question... Ça, c'est ce qu'on dit, elle ne manquait de rien, on n'était pas avec eux. Non, mais écoute, elle sort d'une voiture de luxe, elle mange, elle dort, mais elle veut quoi de plus? Mais ce n'est pas comme si elle non... C'était que c'est... Ce n'est pas comme si c'était une fille pauvre, qu'elle mendiait ou quoi que ce soit, qu'elle venait d'une famille pauvre, ou bien c'était une gold digger ou quoi que ce soit. Ah, et ça, c'est... Ça, parce que, écoute, là où je ne suis pas d'accord, c'est parce que chacun est venu avec ce qu'il avait. Donc, comme tu as dit au départ, chacun vient pour se construire. Donc, les deux viennent avec quelque chose pour se construire au milieu. Pourquoi, au moment où tu veux te séparer, tu veux prendre la moitié de ce que j'ai bâti bien avant toi? Si je comprends, si c'est du début, ils étaient ensemble, pendant que tu courais sur le terrain, j'étais dans les gradins, je faisais ya ya ya, quand tu gagnais presque rien, quand tu jouais au football pratiquement gratuitement, parce que c'est un joueur de foot, et on sait que le football, surtout en Afrique, tu vas jouer gratuitement pour la majorité de ta vie. Avant de pouvoir avoir un breakout, un moment où tu vas percer, un moment où tu auras un changement au niveau de ta vie. Mais maintenant avec ça, comment est-ce que lui pourrait avoir un intervalle dès le début? Donc pourquoi il devrait partager tout ce qu'il a? Parce qu'on a eu pas mal de cas de la même façon. Michael Jordan,
on a Dr. Dre, ce sont toutes des célébrités, vous pouvez les regarder, qui eux aussi ont eu de gros divorces où ils ont perdu beaucoup après un an, deux ans de mariage. Donc comment un homme est capable de différencier si il a épousé quelqu'un vraiment par amour ou bien si c'est financièrement? Comment un homme fait pour savoir à ce moment-là? Comment un homme peut, ce n'est pas, les dettes, ça sert à quelque chose. Il faut apprendre à se connaître. Ouais, mais on s'entend que dans les dates, tu essaies toujours de montrer, ou alors si tu es intéressé du moins, tu essaies toujours de montrer ta meilleure personnalité. Voilà. C'est vrai que tu essaies toujours de montrer ta vraie personnalité, ta meilleure personnalité, mais moi je me dis tu ne peux pas prétendre pendant 6 mois, 12 mois à être quelqu'un que tu n'es pas. Au bout du compte, si tu prends la décision de te mettre avec cette personne et de fonder, de t'engager avec cette personne, c'est que tu connais déjà la personne, tu connais ses bons, ses mauvais côtés, tu connais ses qualités et ses défauts, et tu décides quand même de te mettre avec cette personne. Donc, tu te mets cette personne en étant conscient de ses défauts et de ses qualités et de ce qui va avec. Donc, tu assumes. Du côté des hommes en général, on se dit que c'est quand tu finis de te marier que tu découvres le côté caché de la fille, parce que c'est compliqué. Mais anyway, je comprends totalement ton point. Je suis d'accord que après une certaine période de temps, tu es capable de déceler avec qui tu as. Bon, moi je me dis surtout pour vous les femmes, parce que de mon point de vue, c'est quand même assez difficile. Parce que, écoute, j'ai connu des gens que j'ai eu de la difficulté à cerner dans tous les points. Je ne savais pas si j'avais des chances ou pas du tout. Et je ne savais pas si ces personnes ont été intéressées par le côté matériel ou bien par moi-même en tant que personne. Parce que, honnêtement, quand tu es 100% investi dans quelqu'un, Tu essaies de faire vraiment le meilleur pour être toi-même, pour être likable, pour que cette personne t'apprécie en général. Ce qui fait que si je reçois les vibes, disons que je suis en train de faire mon mauvais tour et tu me demandes une grosse somme d'argent comme ça. Mais je n'ai pas forcément cette somme d'argent. Pour une femme, je pourrais perdre un niveau à cause de ça. Je pourrais ne plus être le gars idéal. Ah, quand je prends lui, il n'est pas là. Mais pourtant, peut-être j'en ai pas vraiment. Ou bien peut-être je ne suis pas sûr de où est-ce que notre relation est en train d'aller. Est-ce qu'on est en train de bâtir quelque chose ou est-ce que tu me tournes en rond? C'est en fait ça la principale, le principal point de retenue des hommes. Parce que quand un homme est 100% investi, en général, la femme n'est pas investie. Suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis. Et à ce moment-là, si j'ai un déblocage financier et que je deviens super riche et que tu reviens vers moi, maintenant là, j'ai peur. Je ne sais pas si c'est pour moi vraiment et que tu essaies d'être difficile au début ou bien si c'est parce que j'ai eu un déblocage financier. C'est en fait ça qui est le problème. Moi, j'ai rien contre. Je comprends. Il a transféré sa fortune bien avant d'être en couple. OK. Il a des enfants. OK. De mon point de vue, si c'était ma situation, la fille n'aurait manqué de rien. Parce que de toute façon, il peut acheter ce qu'il veut. L'argent est toujours à lui. Il peut demander à sa mère va le payer. La preuve, il a quand même pas mal de belles choses. Donc maintenant, moi je trouve que ce qu'il a fait, c'est vraiment un bon test pour déterminer si c'est vraiment ride or die ou bien c'est juste right. Parce que là il a, en 3-4 ans, elle est partie. Mais les vœux à la base, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais à la première occasion, fiou,
elle a sauté du bateau. Moi, je trouve que c'est pas classe, en tout cas. J'aurais au moins attendu un procès qui prouve qu'il est coupable et que je peux vraiment pas le pardonner avant de quitter. Mais là, on n'a aucune preuve si c'est vrai, les accusations contre lui. On ne sait pas... On ne sait pas ce qui se passe réellement. On n'a pas de jugement, on n'a pas de déclaration, rien du tout. Mais il est déjà considéré comme condamné. Je comprends ton point de vue, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore de preuves et tout le tralala. Mais en même temps, nous, on ne voit que ce que les réseaux sociaux, les médias, nous ne voyons que ce qu'on peut voir, ce que les gens nous montrent. Mais on ne sait pas ce qui se passe derrière tout ça, l'arrière-plan, comment leur relation se passe, ce qui s'est passé bien avant l'incident. On ne sait pas comment était leur relation, on ne sait pas ce que Iba faisait, si elle trompait le gars ou bien c'était lui qui le trompait. On ne sait pas si c'était un narcissique, on ne sait pas si c'était une narcissique, on ne sait pas si il la battait, on ne sait pas si elle la battait. En gros, on a juste, je dirais 10%, on a juste 10% de l'information. Donc moi, du coup, je ne pourrais pas dire que ce qu'il a fait, c'est bien, je supporte, ou le fait qu'Iba demande le divorce avant que le procès soit prononcé, avant qu'il y ait qu'une décision soit, que le juge ait rendu sa décision, c'est la bonne chose. Mais honnêtement, moi, même avant que le juge rende sa décision, quoi que ce soit, je trouve que ce que Hakimi a fait, c'est du bullshit. Non, je suis vraiment pas d'accord. Parce que, attends, là, on est dans une situation où les deux, ils avaient de quoi séparément avant de se mettre en couple. Donc, il avait... parce que c'était déjà un footballeur célèbre, connu, il fait près d'un million par mois, 1 million d'euros par mois, avant que je te connaisse. Mais Iba, c'est pas une crème la fin non plus. Non, oui, mais au niveau des hommes, on regarde vraiment pas le salaire d'une femme. Parce que, anyway, votre salaire, c'est votre salaire, et nous, on travaille pour nous deux. En général, c'est comme ça que ça se passe. En général. Mais de ce côté-là, tout ce qu'il a fait, c'est protéger ce qu'il avait avant de se mettre en couple, tout en lui permettant d'avoir tout ce qu'il veut. Parce que pourquoi tu es en train de me divorcer et tu me demandes 50% de tout ce que j'ai si tu ne m'as pas aidé à bâtir ce tout ce que j'ai avant? Je comprends si elle dit pendant les 5 ans qu'on a été ensemble, tout ce que tu as gagné pendant cette période, là, je t'ai soutenu, je t'ai aidé, blablabla, ça équivaut au taux de 20% de ta fortune. Je réclame 20% de ta fortune. Je comprends totalement. Mais elle a demandé plus de 50% de sa fortune. Sur quelle base, j'en ai aucune idée. Sachant que dans la tête de la plupart des hommes, il y a toujours ces histoires d'horreur de toutes ces célébrités ou de toute cette personne influente qui sont hautement médiatisées, qui ont perdu tout pour rien, juste comme ça. Et même, je regardais une émission récemment, je te l'ai raconté, je crois, c'était le monsieur qui a fait 5 ans en prison pour ne pas avoir payé le child support, donc l'argent que l'homme doit verser à la mère célibataire, alors que c'était même pas son enfant. Il a fait 5 ans en prison alors que c'était même pas son enfant. Et personne ne va lui remettre les 5 ans qu'il a perdu. Et ça augmente encore plus le non-vouloir des hommes. Écoute, si une femme est capable de me faire ça, comment je fais pour savoir? Parce que lui, il pensait sûrement qu'il avait trouvé l'amour de sa vie. Ou bien, peut-être c'était une relation sans lendemain qui a mal fini et puis tout le monde s'est séparé. Mais comment est-ce qu'un homme est capable de déceler le bien du pas bien quand il est celui qui a le plus à perdre?
on s'entend que il ne va pas aller piocher dans sa fortune. Elle, je crois qu'elle vaut autour de sa fortune est estimée autour de 2 millions, etc. On s'entend que lui ne va pas aller piocher dedans. Donc lui, c'est clair qu'il n'a pas épousé pour son argent, parce qu'il en a déjà. Bref. Ouais. Donc maintenant, elle n'a pas ce doute-là, mais lui, il a quand même ce doute-là. Donc comment il fait pour se débarrasser de ce doute-là? Si ce n'est pas en essayant, je ne pense même pas que ce serait pour la tester qu'il a fait ça, c'est juste une question de sécurité, parce que maintenant, on a les prenup. On parle de prenup. Prenup, c'est un arrangement prénuptial, donc un arrangement avant mariage, qui permet de vraiment séparer les biens après, si, en cas de divorce. Donc tout ce qui a été fait communément va être partagé, mais tout ce qui a été fait avant ne sera pas partagé. Donc, comment alors un homme pourrait se protéger par rapport à ça, si tu trouves qu'il a exagéré avec ce qu'il a fait? Comment un homme pourrait se protéger, je ne pourrais pas dire ou bien donner des conseils, des alternatives de comment il pourrait se protéger. Mais c'est juste que je ne conçois pas ce qu'il a fait, dans le sens où déjà, il y a la femme et il y a deux enfants en cause. Donc ce qu'il a fait, pour moi, comment je comprends ça, c'est que pour lui, sa maman est plus importante que sa femme et ses enfants, sa progéniture, pas forcément sa succession. C'est comme ça que moi je comprends. En quoi le fait qu'elle garde l'argent prouve qu'elle est plus importante? Je ne pense pas, parce que c'est juste de l'argent. Donc ça voudrait dire que le seul moyen de prouver à une femme qu'on tient à elle, c'est en partageant son argent avec elle. Est-ce que c'est ça? Non, parce que là, il vient d'enlever complètement l'argent du jeu. Donc, s'il n'y avait pas d'argent du tout, est-ce que tu serais toujours avec moi ou non, de leur côté? Parce que là, en faisant ça, il a enlevé complètement l'argent du jeu. Considère que je n'ai pas l'argent. Tout ce que tu veux, je te l'achète, mais je n'ai rien du tout. Mais tout ce que tu veux, je te l'achète. Au final, c'est juste qu'il a enlevé l'argent du jeu et qu'il a laissé les sentiments prendre place. Parce que de toutes les façons, si ses enfants ont besoin de quelque chose, il va pouvoir les acheter ou combler, etc. Ou bien si sa conjointe a besoin de quelque chose, il va pouvoir l'acheter. Et c'est pas comme s'il manquait les sous. C'est juste, sur un papier, c'est écrit que sa mère est propriétaire, au lieu que c'est lui qui est le propriétaire. Mais sa maison, c'est lui qui y vit. Ses voitures, c'est lui qui les conduit. Ses habits, c'est lui qui les porte. Tout est normal, c'est juste que sur un papier, dans le gouvernement, c'est écrit que c'est sa mère la propriétaire. Donc rien n'a changé, c'est juste l'argent qui est au nom de quelqu'un d'autre. À part ça, il n'y a rien d'autre qui les sépare ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que c'est à la base, c'est pour le meilleur et pour le pire. Si au bout de 3 ans, tu es capable de me jeter par la fenêtre, je suis d'accord avec toi. On ne connaît pas ce qui s'est passé. On ne sait pas, on ne connaît pas leur vie intime. Mais ça, c'est dans les deux cas. On ne connaît pas pour lui, on ne connaît pas pour elle. Tout ce qu'on sait, c'est que là, maintenant, ils sont en train de divorcer. Et la cause du divorce qui a été donnée devant le tribunal, c'est à cause de la rumeur par rapport à la fille, à la troisième femme dans la situation. C'est tout ce qu'on sait. Donc, si on se base juste sur ça, pour le meilleur et pour le pire, je trouve que ça incluait ça. Je ne cautionne pas, on est d'accord. Je ne cautionne pas le fait qu'il l'ait fait ou qu'il ne l'ait pas fait s'il ne l'a pas fait. Tout ce que je dis, c'est que pour le meilleur et pour le pire, on aurait aimé que ça incluse ça également. Parce que pour le meilleur et pour le
Si tu es capable de me quitter après 4 ans, à quoi ça servait de me dire pour le meilleur, pour le pire? Ouais, pour le meilleur et pour le pire, c'est bien, bon, mais on est pour le meilleur et pour le pire, en tout cas, pour le meilleur et pour le pire, il y a une limite. En tout cas, pour moi, pour le meilleur et pour le pire, j'ai une limite pour le meilleur et pour le pire. Il y a des choses que je ne pourrais jamais accepter, il y a des choses que je pourrais cautionner, que je pourrais accepter. Donc ça dépend. Peut-être que pour elle, dans son entendement, pour le meilleur et pour le pire, ça c'était un no de no. Mais ce ça, c'est pas encore prouvé. Ce ça, c'est pas encore prouvé. Si c'est un non, je conçois que ça peut-être dans l'entente avant le mariage. Écoute, parce qu'elle est plus âgée que lui de base. Donc je comprends qu'elle se dise que, écoute, si tu veux me faire le truc de player, là, de footballeur et tout, une fille ici, une fille là, je suis pas intéressé, je vais me barrer directement. Je comprends. Mais, jusqu'à présent, on n'a pas de culpabilité de sa part. On a des remarques, on a des oui et non, mais on n'a pas encore de preuve qu'il est vraiment coupable, donc est-ce que parce que là de ce que la plupart des gars se disent maintenant, pourquoi il est parti aussi vite? Il aurait pu attendre et voir ce qui se passe. Si elle était vraiment insatisfaite, elle aurait pu se casser, mais maintenant elle a choisi de partir très tôt. On a fait la découverte et le gars n'a rien à son nom. Là, c'est sa perte. Écoute, c'est compliqué. Je suis d'accord avec ton tout. C'est un sujet quand même assez tendu. Et c'est plus dans le fond où elle a passé 3 ou 4 ans avec ce nom, donc on s'entend qu'elle connaissait à peu près l'homme, elle connaissait ses tendances, elle le connaissait à peu près, je ne vais pas dire à 100%, mais elle le connaissait. Et si elle a quand même décidé d'aller de l'avant avec le divorce, malgré que ce soit juste une rumeur, moi je me dis, dans ma tête je me dis que ce n'est pas juste. Pour qu'elle puisse prendre cette décision de le divorcer et d'aller de l'avant jusqu'au bout, c'est parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées bien avant. Mais en même temps, ça c'est en assumant qu'elle est honnête, qu'elle l'a vraiment épousé pour lui-même et qu'elle n'a pas épousé pour ses fonds. Parce que dans le cas où elle l'a épousé pour ses fonds, c'est une bonne occasion pour le jeter à l'eau. Mais entre nous, on est d'accord qu'un homme peut être riche, comment, avoir des biens, peu importe. Un homme, c'est quand une femme n'est là que pour son argent ou quand une femme l'aime. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de un homme s'investit, nanani, nanani, tout ce qui va avec. Mais l'homme s'investit comment? Il y a des hommes qui ne s'investissent juste qu'avec le cœur. Mais tu ne peux pas t'investir dans une relation juste qu'avec le cœur. Tu t'investis avec le cœur et avec la tête, avec ton intelligence. Tu ne peux pas juste t'investir dans une relation avec la tête. Parce que si tu t'investis dans une relation juste avec la tête, ben, je suis désolée, mais tu vas te faire niquer. Wow! Écoute, moi, parce que moi je suis un homme, et oui, nous les gars, on a des créatures très simples, on fait des décisions très stupides. On fait des choses très stupides de temps en temps. C'est pour ça que tu vas voir des hommes qui sont fous amoureux de leur épouse. Mais ils vont aller les tromper. Après, c'est le même homme que tu retrouves à genoux, à quatre pattes, en train de pleurer. Ne me quitte pas, pardon. Mais, en même temps,
Côté, au niveau du cœur, c'est un peu compliqué parce que c'est difficile pour un homme de savoir si tu es là. À moi, ce que j'ai vraiment vécu, j'ai connu, je sais, je connais ta gamme, on a un arrangement, je sais pourquoi tu es là. Et dès le début, on se comprend. Je te fournis ça, tu me fournis ça. Je te fournis tout ce que tu veux, de l'argent, des voitures, des maisons, etc. Tu me fournis ton attention. C'est comme le milliardaire africain qui a plusieurs... qui a plusieurs épouses. Je suis sûr qu'il ne se dit pas qu'elles m'aiment tous inconditionnellement. Non, moi je suis sûr que la plupart vont le jeter à l'eau si jamais il y a quelque chose. Mais l'entente est claire. Tu prends soin de moi, maison, voiture, tout ce que j'ai besoin. Et je suis à toi, je suis à toi, je m'investis dans toi, je suis tout à toi. Je ne pense pas que s'ils perdaient tout du jour au lendemain, elles allaient le tolérer. Qu'il aille de gauche à droite. Écoute, un homme riche n'a pas les mêmes privilèges qu'un homme complètement pauvre. Si tu es pauvre, c'est un peu plus dur. Et beaucoup plus de moins de respect. Toi, tu es pauvre comme ça, et puis toi, là, tu me trompes. Toi, je t'ai fait pitié, même si j'ai pitié de toi, j'étais marié. Comme ça. C'est difficile. En tout cas, moi, pour mon... Est-ce que toi, tu ferais ce qu'il a fait? Je dirais non, parce que je n'ai pas eu le même background. Toi, je t'ai connu quand j'avais rien ou presque rien, et quand j'étais en train de me bâtir. Donc, ça fait que beaucoup de choses que je suis en train de bâtir, je bâtis en pensant à nous deux dans le futur, et je prévisionne pour ma famille en même temps. Donc je fais tout le calcul là en même temps. Je pense à ma famille, je pense à la tienne, et je pense à nos deux en général. Et je fais tout pour que tout le monde puisse profiter de ce qu'on a au maximum de mes capacités. Donc maintenant, lui de son côté, il a eu ça bien avant de se mettre avec elle. Donc c'est toute une gamme différente. C'est clair que si je me mets... Disons que j'ai tout, j'ai une maison, j'ai deux voitures, j'ai même des triplex à louer, et que je prends une femme, je ne la vois pas forcément comme elle m'a aidé à voir tout ce que j'ai. Je la vois comme elle est venue quand j'avais tout déjà. Puisque j'avais tout et elle est venue. Donc c'est comme ça dans ma tête. Mais si je suis en train de bâtir et elle est venue, on a bâti ensemble, c'est différent de si tu as été un plus quand j'étais accompli. Tu n'étais pas un plus quand je me construisais. Donc il y a vraiment une différence à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, c'est clair que tout dans ta famille ou dans ma famille, peu importe, ils vont vouloir protéger le patrimoine que tu as construit bien avant. C'est comme une femme avant de se marier. Les femmes, on leur dit sûrement « protège-toi, ne le laisse pas abuser de toi, attends qu'il confirme qu'il va te marier », ce genre de choses, pour éviter qu'il ne se lasse avant le mariage. Vrai ou faux? On dit « préserve-toi », etc. avant le mariage, juste pour éviter que quelqu'un vienne, profite de toi et s'en aille. Maintenant, dans la même logique, pour un homme, c'est difficile de déceler si une personne est vraiment avec toi pour toi ou avec toi pour autre chose. Et ça, les hommes sont vraiment coupables de ça parce que à chaque fois, ils font des stupides décisions, ils choisissent les mauvais partenaires et ils perdent beaucoup. Et on a vu plein d'exemples par rapport à ça. On n'a jamais entendu une femme a tout perdu. Elle a perdu toute sa fortune parce qu'elle s'est mariée avec un connard. Mais on a entendu plein d'hommes qui ont perdu toute leur fortune parce qu'ils se sont mariés avec une femme. Et donc, selon toi, tu penses que pour ces hommes-là qui sont déjà bâtis, accomplis, avant de se mettre avec une femme, est-ce que tu penses que ce que Hakimi a fait, ce serait la solution? Je pense, je dirais, protéger vos... Il faut un homme qui s'est déjà battu avant, doit protéger son patrimoine. Je ne dis pas qu'il doit bloquer à la femme l'accès à son patrimoine, mais il doit protéger son patrimoine. Parce que je ne conçois pas le fait que
le travail de toute une vie. Et essaie d'imaginer, tu travailles pendant 20, 25 ans, 30 ans de ta vie, et quelqu'un, du jour au lendemain, vient prendre 15 ans de ta vie comme ça. Sans rien du tout. Peut-être cette personne était désagréable même avec toi dans ton foyer. Si on prend l'exemple de Johnny Depp et puis son con. À la fin, maintenant, il lui doit quoi, 10, 12 millions qu'elle doit lui payer après le deuxième procès. Donc imagine maintenant pour un homme, pour le premier procès de Johnny Depp, où il a tout perdu. Il n'avait rien fait, il a tout perdu. Et il est obligé de diviser sa fortune à cause. Comment tu penses que quelqu'un se sentirait? Est-ce que tu penses que toi, si c'était, oh, si c'était ton enfant à toi, et son sa conjointe lui prend tout, tout, sans exception. Après une dispute, un truc, une tromperie, qu'elle soit vraie ou fausse, ton fils, ça te ferait mal. Parce que c'est pas forcément, je ne pense pas qu'un homme ferait ça. Parce que un homme, manière dont, en tout cas pour ma conception, manière dont un homme est, fonctionne, quand il décide de s'engager, de se marier, je vais prendre soin des miens, je vais prendre soin de ma famille, je vais avoir une descendance. Pourquoi je veux avoir une descendance? C'est pour que mon nom puisse prospérer dans le futur. Parce que, à part ça, pourquoi est-ce que je voudrais une descendance? Si tout ce que j'aime bien, c'est m'amuser avec deux différentes femmes, je n'ai aucun intérêt à me mettre en couple. Je peux faire des millions et me balader de gauche à droite. On a beaucoup de multimilliardaires qui le font. Mais si je décide que je veux me mettre en couple, à ce moment-là, c'est vraiment pour bâtir un truc, c'est vraiment pour aller de l'avant. Mais ça n'enlève pas le fait que j'ai peur de tout perdre, ou je suis inconfortable à tout perdre, ou est-ce que tu es là pour moi ou tu es là pour mes fonds. Ça n'enlève pas ce doute-là. Donc c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment, si une femme est vraiment là pour rien du tout, elle ne devrait pas se plaindre de partir avec moins que 50%. Je donne l'exemple de la femme de Jeff Bezos. Elle est partie avec environ 10% de sa fortune. C'est clair qu'à un homme qui vaut 200 milliards, 10% c'est beaucoup. Mais elle n'a pas cherché à battre 50%. Elle aurait pu, si elle aurait voulu, ça allait être un gros procès médiatisé, etc. Mais je crois que si je ne me trompe pas, elle est partie avec 10%. 10% c'est assez pour vivre pleinement toute sa vie, ses enfants, etc. 10% de 200 milliards, c'est, écoute, c'est 20 milliards et 4. Donc même si elle a pris 1 milliard ou 2 milliards ou 10 milliards, même 500 millions, écoute, elle est assez confortable pour longtemps. Au moins 3 générations, si c'est bien géré. Mais ce qu'elle a choisi de prendre, elle a pris une partie en cash, elle a pris une partie en action, et lui, il est toujours détenteur, donc gérant des actions familiales. Donc ça veut dire qu'il va continuer à créer de la richesse, et elle va toujours en profiter. Je trouve qu'un accord à l'amiable comme ça, ne pas aller en cours pour demander 50%, si elle avait pris un accord à l'amiable, écoute, à cause de cette situation, je ne veux pas rester avec toi. Discutons de comment, qu'est-ce que tu peux me donner, je vais prendre ça de mes enfants, je vais faire. Et on prend un accord à l'amiable, j'aurais trouvé ça super. Mais venir piger dans mes poches que j'avais avant, ça, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ça fait mal. Pour une personne qui n'est plus avec toi, de profiter de tout ce que tu as à offrir avec quelqu'un d'autre, ça fait vraiment mal. C'est comme si toi, tu allais travailler tous les jours et je prenais notre argent pour aller dépenser avec une jeunette de 20 ans. Ça fait extrêmement mal, vrai ou faux? Mais c'est ça que je pense. Mais je vois totalement ton point. C'est vrai ce que tu disais tantôt. Elle aurait pu
pu prendre un accord à l'amiable et 10%, 20%. Mais comme je disais tantôt, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Peut-être que le fait de qu'elle demande 50%, c'était pour elle peut-être se venger le temps qu'elle a perdu dans cette relation. C'était pour se venger de tout ce qu'elle a subi dans cette relation, la maltraitance et tout, je ne sais pas. Mais peut-être c'était pour elle une sorte de vengeance de rattraper le temps perdu qu'elle a investi dans la relation. Je ne sais pas. Est-ce que la vengeance est bon pour les enfants? Je ne pense pas. Donc, si on met le sujet de la vengeance, c'est que le gain, c'est vraiment pour elle. Ce n'est plus pour les enfants. Si on parle de vengeance, en tout cas. Parce que si c'est vraiment les enfants, la priorité devrait être d'avoir assez pour les enfants. Je ne pense pas qu'ils n'en auront pas assez pour les enfants. Mais vengeance, écoute, ça n'a pas marché, on ne sait pas. Écoute, arrête. Je suis d'accord, tu peux avoir bitterness, tu peux avoir des regrets, tu peux avoir... Mais est-ce que se venger, c'est la solution? Ça dépend des personnes. Il y en a pour qui se venger, ça va leur procurer une satisfaction... Temporaire. Là, honnêtement, je suis scorpion. Je ne sais pas que je crois particulièrement en termes d'astrologie, mais ça a un goût de vrai. Je suis scorpion et j'ai une nature qui me pousse à être rancunier. Si c'est mort, c'est mort. Si je peux pardonner, je vais le faire. Mais dès le moment où je ne peux plus rien pardonner, c'est mort, c'est mort. Mais en même temps, de propre expérience, se venger n'a jamais été la solution. Et manger ma nourriture et un bon vin, ça a toujours fait la job. Donc. mais je comprends 100% ton point, je comprends ce que tu veux dire. Si on veut continuer, on va aller des heures sur le débat. Vous, quelle est votre opinion? Est-ce que vous pensez qu'il a exagéré? Est-ce que vous pensez que non, c'est elle qui a exagéré? Est-ce que vous auriez fait 50-50 ou comment vous voyez la situation? Laissez le tout dans les commentaires. Moi, je suis curieux de savoir. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à mon mot d'avant? Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Comme tu as dit, si on veut continuer dans ce débat, ça va prendre des jours, voire des mois. Donc qu'est-ce qu'il y a pour faire un résumé de tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Car à la fin du débat maintenant, peut-être on va le reprendre la semaine prochaine, à la fin du débat maintenant, quel est ton mot de la fin? Quel est ton point de vue? Mon point de vue est pour ces hommes-là qui sont... déjà bâti, accompli avant de se mettre en couple, c'est si vous avez peur de déposer une gold digger ou quoi que ce soit, ou que la femme que vous choisissez vous épouse pour votre argent, ne vous engagez pas, ne vous mariez pas, restez dans votre coin. Ça, c'est ça mon point de vue en gros. Si vous avez des doutes, si vous êtes insécure, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Parce que si vous avez des doutes, Si vous n'êtes pas certain, si vous êtes insécure, c'est que ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas la personne faite pour vous. Parce que si c'est la personne que vous choisissez, elle est faite pour vous, vous aurez la paix du cœur, vous n'aurez pas de doute, vous serez certain, vous serez en paix. Donc si vous avez des doutes ou des incertitudes, c'est que ce n'est pas la bonne personne, donc next. Je suis quand même assez d'accord. Donc... pour clôturer le tour, moi je dirais, les jeunes rois, protégez-vous. Les jeunes reines, protégez-vous. On est vraiment à l'abri d'un bizarre connard, etc. Mais prenez vos précautions pendant le date. Essayez de connaître la personne. Connaître la personne, ce n'est pas forcément tout ce qu'il dit, tout ce qu'il vous donne, mais comment il agit. Regardez comment il agit. Parce que beaucoup de femmes ont perdu de bons hommes comme ça et beaucoup d'hommes ont perdu de bonnes femmes comme ça. Sur ce, c'était CHPHD. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin.
Si vous voulez plus de contenu par rapport à ce qu'on fait ensemble, les débats de bank, vous l'aurez dans la chaîne. On se réunit ici tous les dimanches. Je pense qu'on va essayer de le faire autour de 14h30 tous les dimanches. 14h-14h30 tous les dimanches. Ça, c'est l'heure de l'Est, donc ici au Canada. Sur ce, aimez, abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum si vous avez apprécié le contenu. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Peace. Peace. Ciao, ciao.